Nous mourons tous les soirs, nous renaissons tous les matins. Chaque jour est une vie complète et différente. Cette différence nous échappe et nous confondons le jour qui brille avec celui qui l'a précédé. Qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde Arthur, il a l'air con avec son chapeau. Bon, arrêtez avec ça, c'est encore sa fête. C'est la fête ! La fête. Et en parlant de ça aussi, on organisait une fête avec tout le lycée. Ce serait cool, non? Ouais, pourquoi pas, le mois prochain, juste avant les vacances. Ouais. C'est impossible, tu veux l'organiser comment? Mais t'inquiète, on se débrouillera comme toujours. Et t'as de l'argent pour ça? Arrête de gâcher nos idées, putain. Ouais, je suis d'accord, là. Salut, les gars. Salut. Vous parlez de quoi là? Vous voulez organiser une fête? Le Médéric nous a encore démontré que c'était impossible. Eh bah c'est bon hein. Salut Maxime, dis-moi, t'as remis 10 euros pour la photo de classe? Oui. Oh mon Dieu, tenez. Merci. Là voilà la solution, si on fait payer un minimum l'entrée et que Maxime met de l'argent, c'est bon, on peut la faire la fête. Arrête un peu, personne ne va payer pour ça. Si, ça peut le faire. T'es d'accord? Faut déjà que je demande à mon père. Allez, fais pas le radin, donne un peu. Ouais, c'est vrai quoi, donne un peu. Ça va pas te ruiner de mettre un peu de sous dans l'alcool et puis nous, on s'occupe du reste. Non, je pense pas. Et tu vois, y a une différence entre toi et moi, y a un monde qui nous sépare. Tu veux dire quoi par différent? Tu voudrais même pas mettre un centime pour la fête? Alors que toi et tes parents, vous êtes pétés de thunes. Oh, laisse tomber, tu peux pas comprendre de toute façon. Vous avez 2 heures, perdez pas de temps. Maxime, réponds. Quoi? J'ai parlé avec Louis. Il m'a dit pour la fête. Et alors? Tu peux pas faire un geste? Mais qu'est-ce que vous avez tous avec mon pognon? Sérieusement, réfléchis-y. Oui, si tu veux. Et toi, change de style. Pourquoi tu dis ça? Tu ressembles à rien avec ton chapeau. Maxime, Arthur, taisez-vous. Arthur, enlève ton chapeau. Eh hey Maxime, t'oublies pas de demander à ton père pour la fête, hein. Ouais. Eh hey, t'oublies pas, hein. Ouais. Eh hey, on compte sur toi, hein. Parce que sinon pour nous t'es un étranger, hein. Ouais, c'est ça. Encore les factures. Papa. Papa, j'ai tiré l'argent à la banque, comme tu m'as demandé, avec 300 balles. Il faut se ressembler un peu pour se comprendre, mais il faut être différent pour s'aimer.
lui semblable et dissemblable. Ah, qu'étranger pourrait être un bien joli mot.